Ça, ce petit meuble que tu vois ici, c'est un rangement que j'ai réalisé parce que, en fait, ce que tu vois là, ça se trouvait sur mon plan de travail. Le problème, c'est que j'ai besoin de place pour travailler, faire ma tambouille, etc. Donc, il fallait que ce soit dégagé. Je vais pas aller tous les jours aller chercher ma boîte de café, mon vinaigre. Donc, il faut que ce soit un endroit où je peux, voilà, vite le ranger et que ce soit réglé. Donc, c'est pour cette raison que j'ai réalisé cette petite étagère. Alors, elle n'est pas comme ça. Et en fait, si tu regardes bien, bien. Elle se poste derrière la fenêtre. Donc, du coup, elle prend un minimum de place. Et voilà, moi, je peux ouvrir la fenêtre. Alors, pourquoi? Parce que, en fait, j'ai conçu de manière à ce qu'elle soit biseautée. Si tu souhaites réaliser ce même type d'étagère, n'hésite pas à aller se faire un tour sur ma chaîne YouTube. Et puis, si tu as envie d'apprendre à fabriquer des meubles en carton, je suis là. Je peux me tenir à ton écoute. N'hésite pas à aller faire un tour sur mon site web. Demain, je te montrerai le petit meuble qu'il y a en dessous.